Hey, salut! Ok, croyez-moi sur parole, vous devriez aller par là. J'ai noté quelques instructions pour trouver la prochaine étape. Faites vite! Ah non mais où oh, on est où là? Je les dans Comment oses-tu t'échapper? Tu es ma création. Tu dois m'obéir. Ce sont là les règles de la réalité et de la fiction. Ok, et ah bon, on va voir ça. Tu vas rien voir venir. Donc en gros, je vais échapper à mon abruti de créateur qui veut m'enfermer dans le logiciel de montage de son ordinateur. Mais moi, je veux trouver un autre médium où m'installer. Alors s'il vous plaît, les gars, suivez la piste que j'ai créée. À chaque étape, vous trouverez un autre univers et une autre rune magique pour que je puisse vous y rejoindre, voir si je veux rester ou pas et vous indiquer la suite s'il ne me convient pas. Et tardez pas trop hein. Mon créateur est un abruti, mais il finira bien par me rattraper si on prend trop de temps. Bonne chance. Rebonjour oh bro. Alors, voyons où tu m'as amené. Oh oui, c'est une animation de Célim. Elle s'appelle Absence Présence. Et c'est une installation multimédia avec une animation à l'encre sur verre sur le thème de l'héritage et de la transmission. C'est vraiment sympa, mais je vais pas m'installer dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Là, en suivant bien cette carte, tu trouveras le prochain indice. Ah, salut les gars. Alors, on est où cette fois Oh oui, c'est une œuvre de Manon. Son titre est La Tornade et la Soupe. C'est un rêve de la créatrice raconté à l'oral et projeté sur les murs tout autour du spectateur. Malheureusement, je ne peux pas rester dans le rêve de quelqu'un sans payer d'impôts. Il va falloir trouver un autre monde à visiter en suivant cette carte. Oh, oh ça c'est de la bonne musique. Je reste très bien là, mais. Je ne suis pas un être musical. <laughs> Quel dommage. C'est une œuvre de Samy. Elle s'appelle Wandering. Niveau technique, c'est de la VR et de la musique. Une interprétation visuelle du son. Mais comme je t'ai dit, je suis pas fait pour vivre dans la musique. Suivez bien cette carte pour trouver votre prochaine destination. Alors, nous sommes devant une œuvre de Lisa. Ça s'appelle Organique Horrifique. C'est une œuvre multitechnique, avec de l'animation 3D et du volume, qui joue sur les contrastes pour être humoristique. Mais, franchement, même moi, je trouve ça un peu bizarre. Et pourtant, créateur sec je suis un squelette chat en stop motion. Je préférais si tu m'amenais là-bas, en suivant bien ce chemin ici. Ok, je crois que j'ai chopé un petit truc. On est devant une œuvre de Handy. Elle s'appelle La vue au-delà du mur. C'est une animation de déro représentant une bouche pénétrée par un coton-tige, accompagnée de bruits de déglutition forcée et de vomissements. avec une chanson écrite par l'autrice sur les habitants d'une tour d'habitation en Chine. Qui sont morts dans un incendie soudain à cause de l'ingérence politique dans le confinement du, du Covid 19. Hein hein, Je peux pas rester là j'ai été super malade. Hein, notre prochaine destination sera comme indiqué sur la carte. Ok donc cette fois c'est une œuvre d'Alexis. Son titre est Amour interdit. Et c'est une planche de BD animée projetée sur une planche. Je ne suis pas fait pour vivre sur une planche, et encore moins une BD. Je bouge trop. Alors, si vous allez juste un peu plus loin par là, vous trouverez un autre univers à explorer. J'espère qu'il sera plus hospitalier. Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas Ce silence, c'est serein. On est devant une œuvre de Mathéo. Elle s'appelle Psychogéographie. Ce sont des photos d'un bâtiment détruit. Des scénettes contemplatives, une idée de temps, la vie du bâtiment. Malheureusement, je ne peux pas rester ici. Je ne suis pas à ma place. Vous trouverez un autre univers en suivant cette carte. Oh Mais c'est incroyable ici Et c'est l'univers dans lequel vous vivez depuis le début Franchement, j'adore. C'est si grand. Il se passe tellement de choses. Elle eh ben, va bien jouer. Tu m'as trouvé un endroit génial. Merci beaucoup. D'ailleurs, si jamais, je suis une œuvre de Oscar Macheta. Doublée par. Moi, du coup. Non Comment cette stupide création en 2D a pu s'enfuir comme ça <laughs>